Et quelle heure, Goutrou? J'ai aux environs de 7 heures, mais je dirais surtout aux environs d'une légère tête dans le fion. Absolument. Il est dodo plus 3, et nous sommes en route pour 2 jours. Non, enfin 3 jours pour moi, mais toi 2 jours. Chez les amis belges. Chez les amis belges, je vais aller manger des frites. Putain, ça y est, ça commence déjà par un cliché de merde. On va chercher un petit youtubeur Disney français, et on est en route pour aller à... Bloodworm. Boulgi Boulga, le parc d'attractions. Allez, c'est parti. Ready for the ride ou pas? Ready for the ride. On vient d'arriver sur le parc, bonne nouvelle, ils ont des bornes électriques, ils n'en ont pas qu'une seule. Faut pas dire qu'on a Belloir. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a une carte normalement. Mais moi j'ai pas de carte de chargement, mais ils m'ont ouvert quand même la borne. Ce qui fait qu'on pourra peut-être rentrer ce soir. Alors bien évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis avec le goût trou national, le goût de tous les trous, et on a le Wanderook. Yeah, qui au final, tu seras mon guide aujourd'hui, car ouais, je connais pas ce parc. Et ouais. Et j'adore quand tu rentres sur le parc, t'as la musique d'Angèle et tout. Alors c'est musiques... Dragon là. Ouais, mais là c'est Dragon, mais quand t'es arrivé, c'était un truc qui a rien à voir. Ça a rien à voir. Ça te met dans l'ambiance. L'entrée est magnifique, regardez. En vrai, c'est pas moche, ouais. En vrai, c'est pas moche. Alors ça mérite un coup de peinture, mais c'est pas moche. Bon, on va voir ça, et je vous tiens au courant s'il y a des attractions que je peux faire. T'as vu leur logo? Leur mascotte, c'est un petit lion. Oh, le petit lion! Attends, moi je dis, on prend la bouille, moi je vais lui prendre le petit porte-clés. Ah oui, on va prendre le petit porte-clés à la bouille, parce que elle est pas là, mais faut penser à elle. On pense à la bouille qui est restée à la maison, pendant que nous, on s'éclate. Allez, c'est parti. Ouais, un parc qui donne des plans. Faut que j'en prenne pour les chiens. Moins cher que Bobé Yanland, hein. 1 €. C'est moi assez payant? Non, justement, gratuit. Ah bah alors, qu'est-ce que tu me dis? J'en ai pas à Boba Yanland. Moi j'en prends 2. Ah, tu sais que t'es en Belgique parce que tu as la friterie, la friterie quand même à l'entrée. Ah quand même, hein, la friterie. Manger des bonnes patates. Des bonnes petites frites, hein. Où est-ce que tu nous emmènes, Max? Bah écoute, on va aller vers là-bas. Allez, allons vers là-bas. Bon, Goutrou, t'as une meuf, je te rappelle. Ouais. Alors, premier petit tips, ne pas manger dans le self. Pourquoi? C'est vraiment pas fameux. Waouh, ça a l'air dégueulasse. Eh, hey, petite précision, aujourd'hui, c'est un anniversaire, les gars. Ah bon? C'est mon 50e parc. Ah, c'est vrai, ouais. J'ai regardé tout à l'heure sur Coaster Count, c'est mon 50e parc d'attractions. Et c'est Belleward, quoi. C'est beau, hein. On va voir. On est dans un parc d'attractions, là, Max? Pourquoi il y a des girafes? Attends, j'ai dit pourquoi il y a une girafe? La girafe, elle s'est cachée. Il y a une girafe dans le parc? Ouais. Il y a des zèbres dans le parc? Alors, par contre... Il y a des cigognes dans le parc? Je sais qu'ils sont en collaboration avec... WWF? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Pour la préservation. Pour la préservation. Après, mais... on va pas se mentir, ça sent le caca de girafe, hein. Ouais, mais c'est de la girafe qui écoute de la bonne musique. On va vers quoi là? C'est quoi? C'est un coaster? La coccinelle. Allez, la coccinelle! T'as pris une douche en oignon ou quoi? Non, mais je crois. Ça fouette ça! Je suis désolé pour l'odeur, mais c'est pas moi. Oh, regardez la grosse girafe! Oh, papa, tu vois, je dis que j'aime pas, mais je regarde quand même, quoi, tu vois. Par contre, c'est très vert, hein, Max. Hein. Ouais, c'est justement ça qui est assez cool, c'est qu'effectivement, c'est très, très nature-peinture. Très nature-peinture! Très nature-morte, ouais! En tout cas, on est bien. Et en plus, il a l'air d'y avoir des gains sur le parc. Oui. 5 minutes partout. 5 minutes partout, ouais. Et 5 minutes, moi je le fais pas. Non. Vous connaissez la règle des parcs d'attraction à 5 minutes ou pas? C'est quoi? Dès que tu passes devant une attraction, s'il y a moins de 10 minutes, t'es obligé de le faire. Bah, allez, go! Eh ouais, c'est la vie. Alors. Non, c'est beau, c'est vert. C'est girafeux, je trouve. Il y a un tigre dans les allées, quoi. C'est un truc de malade. Wow. La coccinelle du Far West. La coccinelle du Far West, Goutrou. Ah merde. Meilleur accord. Non, mais attends, ça match. La zone, elle est dégueulasse. C'est du carton pâte, hein. Mais sauf que le problème, c'est que du carton pâte, mais y a rien d'autre côté, quoi. Attends, je comprends pas. C'est vachement original pourtant, une zone Far West. Eh, qui dit Far West dit bande d'arcade. La base. Allez, on va à la coccinelle. Je suis déjà too gets de le faire.
Première attraction, premier crédit du parc, Goutrou. Ouais, tu m'emmènes faire la coccinelle. On va être trop bien, c'est trop confortable. Oh, tu entends ce bruit? Eh, hey, et Marébrie, je sais pas qui tu es, mais t'es vraiment une connasse d'avoir fait ça. Ouais, ça fait une heure et demie qu'on est dans la file d'attente. C'est faux, hein, mais c'est un peu long. Ça fait deux heures. Ça fait... Rapporté à une coccinelle, ça fait une heure et demie pour une attraction. Goutrou, suivez Goutrou sur Insta, les amis. On fait un objectif 500 abonnés pour Goutrou. Peut-être qu'à cette vidéo, tu les auras déjà. Peut-être. Et à 500 abonnés, qu'est-ce que tu fais, Goutrou? Tu sors une vidéo sur ta chaîne YouTube. Je monte ma bite. Non. Alors, la bite de Goutrou, en plus, elle est crochue et tout. Eh, hey, je rentre dans la chenille. Je rentre vite fait dans la chenille. Ouais, regarde. Ah, ah, c'est plus la même chose, là. Et vers l'infini et l'au-delà. Allez, oh, oh, oh. Tunnel immersif. Waouh, comme vous avez pu le voir, je me suis beaucoup amusé dans la chenille. Il y a un head chopper. Il y a un moment où tu lèves les bras, bah t'as plus le bras. C'est trop bien. Ça te décapite. Oh là là. Le Far West, quoi. Ça, c'est la classe. Ça, c'est bien parce qu'ils ont une attraction qui s'appelle Dawson Duel. Donc un peu Far West, quoi. Duel. Mais elle est pas dans la zone Far West. Elle est non canadienne. Complètement con. Ça, c'est ça, ça Goutrou, là, tu m'envoies du rêve, là. Un bon boomerang Vekoma. Je force personne. Oh, ça va être de la merde. En plus, il a un nom, mais original. C'est pas très agréable de se faire sentir retenir comme ça. Tout mon poids est sur le harnais. Hey, on dirait goût du risque quand même. Hein. Jaune comme ça, ouais, rouge. Jaune dégueulasse, ouais. Ouais, là, on est bien, là. Ça serait bien que ça s'arrête de monter, par contre. Allez, allez. Oh, 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 ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça tient le coup, ça tient le coup. Oh, putain, ouais, ça va. Ça va, ça va. Ouais, en vrai ça va. En vrai, aïe, ouais ça va. En vrai ça va les gens. Pas une baffe. On a, mais pas une baffe. Pas si mal. On est bien là. Que demander de plus? Avec mon harnais qui est à peine fermé là. Ouais, laisse tomber. Ah, ah, oh, c'est pas agréable. Oh, c'est pas agréable. Oh putain. Wow. What the fuck? Mon corps, il est plus habitué à ce genre de truc. Wow. Ouais, c'était trop bien. Et je critique, et je critique, tu vois. En vrai, c'était fun. Pas une baffe. Pas une baffe, hein. Pas une baffe. La marche arrière, elle est épique. Elle est épique. C'était épique, j'adore. Wow. On a fait notre première photo de la journée, je me sens déjà comme une star, quoi. Ouais, toi, c'est ton quotidien, quoi. Vis ma vie de Maxime Wanderou. Non, quoi. Mais ils sont gentils, les gens. Ils sont gentils. Mais laissez-nous, quoi. Fais chier. Le monsieur, il m'a dit merci, Goutrou. Ça le monsieur, il a dit merci, Goutrou. C'est pas vrai. Que, si. Non. Oui. Goutrou, t'es une putain de star. Non, mais ça y est, on te reconnaît, en fait. On fait ça, là, ouais. Wow. En rentrant, en vrai, je suis même pas surpris. Wouah, c'est trop méga chum, Max. Ouais, je sais, ça m'a vieilli. Hein. Qu'est-ce que ça dit, Mexicain? Mexicain, ça dit taureau. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Huracan. Allez, c'est parti. Allez, go, Huracan. C'est trop bien. Elle fait comment, la chanson de Stéphanie de Monaco, là? Comme un huracan. Comme un huracan. Moi, j'aime bien les gens qui laissent des petits messages dans les qui s'attendent. Et des skeks. En tout cas, c'est pas la mienne, celle-là. Non, parce que la tienne, elle est crochue. Et Goutrou, mais coucou enculé là. Voilà.
plu. C'est pas mal, hein, moi j'aime bien celle-là. Oh, ça valait pas 20 minutes d'attente, mais non. Ça m'a plu. C'était très fun. C'était dans le noir, c'était très beau. Petite musique embarquée et tout. Ah, non, pas mal, pas mal. Pas mal. Goutrou, on va faire les bœufs. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un peu trop mangé pour faire les bœufs. On peut pas, on rentre pas dans les bœufs. On est trop gros. Première attraction du week-end qu'on ne peut pas faire parce qu'on est trop gros. Je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu aussi. Ouais. Je suis un peu déçu. Tellement déçu. Goutrou, il est tellement dégoûté de pas être rentré dans le bœuf. Regardez ce qu'il fait. Bientôt les bœufs. Dans le menu. Et pour le principe. T'as toujours une salade dans le menu. Ouais. Ouais. Et je te raconte pas de salade. Hein. La sauce vinaigrette est à 80 centimes. Allez, dans le cul. Plus cher qu'un McDo. Sans sauce, du coup. 26,35€. Ouais. Ah, et t'as compté mon plateau ou quoi? 26,35€ pour un burger. Et deux coca. Et un café. Ouah, c'est abusé. Bon, on va taper un croc dans le burger à 26 balles. Déjà, j'espère... Oh, la viande, je crois que c'est du biki. Manger avant de venir sur le parc. Bon, bah moi je m'arrête là. Pour être honnête, hein, à Frépert, tu dis c'est meilleur qu'à Belleward. Tu finis ton burger toi, je sais pas. Max, tu penses quoi toi, ton burger? C'est immonde. C'est dégueulasse. Hein. La viande est dégueulasse. Mais vraiment. C'est foutu de la gueule. Merci de nous avoir invités, mais à un moment donné, il faudra se foutre de la gueule du monde là. Non, mais c'est vrai. J'ai même pas précisé qu'on était invité. On a été invité. Alors en fait, non, c'est pas qu'on était invité, c'est qu'on a cherché à avoir des billets pour être invité. C'est gentil, on est invité. Mais regardez. Je peux même pas sortir mon putain de sucre. Et on a pour 2,80€ un café soluble. Non. La poudre est tombée, après il y a eu l'eau chaude. Et ça pue le café, tu vois, genre le vieux truc Lavazza dégueulasse. Là. Super. On n'est pas médisants. Théma. Regarde, la femme à côté de nous n'a rien mangé aussi. Personne ne mange. Eh, Belleward. Eh, va falloir que tu bouges ton cul bien vite, frère. Parce que ta bouffe, c'est dégueulasse, quoi. Je t'assure que j'ai moins bien mangé qu'à Plopsa. Et pourtant, à Plopsa, j'avais trouvé ça dégueulasse. Là, c'est vraiment, mais vraiment pas bon. Je suis deg. Eh, c'était les pires chiottes ever. J'avais l'impression de retourner au collège tellement ça puait la merde et tellement ça puait la pisse. Il y a des chapeaux et des baies. Il n'y a pas une petite peluche de... Il y a des lions. Mais... Moi, je veux un petit lion, mais tu sais, comme elle aime la bouille, pour les attacher. Comme ça, hein. Mais ça attache pas, ça, là. Ouais, mais c'est... Ça lui va, comme ça? Non, on prendra un truc comme ça, on pourra tout à l'heure. Ah, non. Tout à l'heure? Il n'y a pas. Moi, je voulais voir Max, si elle avait des petits. Max, il va acheter une petite peluche à la bouille. Bah ouais, elle est pas là, la pauvre. Goutrou, c'est quoi, cette merde? Jungle Mission. C'est Jungle Cruise. On y va ou quoi? Vas-y, hein. Je sais pas. J'avais envie de faire un truc bien. Non. Non, on va faire un truc bien d'abord. On va faire un truc bien d'abord. Ah, on va cracher dessus. C'est bien, hein. C'est bien? C'est bien. Vraiment ou pas? C'est sympa. Ah, il y a du monde. Il y a du monde. Non. Eh, ils sont super bien faits, les flamants roses. Jérôme, c'est des vrais. Ah ouais, non, mais ça craint, en fait. Ah oui. Emmène-moi faire un truc bien. Oui. Là, j'en peux plus, là. Tant que ça pue. Hein? Putain, c'est pas moi qui pue, c'est les biquettes. Putain, on peut caresser les biquettes. Il y a un lama, hein. C'est un alpaca, ça. Un alpaga. C'est un alpaca. Wow, mais il est beau en plus, lui. Houdini. Est-ce qu'elle met des doigts dans le cul, celle-là? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui me désole... Eh, franchement, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un petit panneau qui dit combien il y a de temps d'attente. Ouais. Cela, ça tombe, il y a 1h30 d'attente. Je manque de respect aux gens dans la file d'attente. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. T'as des enfants et t'as des gens qui n'en supportent peut-être pas la cigarette. Mais j'aime pas ça. Et pourtant, voilà. Je suis fumant. Mais je n'aime pas ça. Les gens qui fument en file d'attente, ça me gave. Ouais. Voilà, t'es malin, enculé. Là. Je m'attendais à tellement autre chose. Je m'attendais à ce qu'il y a des trucs, tu vois, qui se passent. Il est où le dragon, Max? Max, il m'a ken. Il peu... eh, faut qu'on fasse. Non, mais à un moment donné, on entendait un dragon à l'extérieur. J'ai dit, il y a un dragon, mais il n'y avait pas de dragon. Faut qu'on aille faire un truc bien, là. Goutrou, il m'a montré qu'on voit un petit chat là-bas.
Est-ce que je l'ai dans mon viseur là, Goutrou? Oui, oui, je l'ai. Je l'ai. Ouais, là-bas. On va faire un truc bien? Allez. Allez. L'histoire, c'est des barques qui volent. Ouais, c'est les esprits indiens. Les esprits. Qui volent. Ils se foutent de notre gueule, Max. Faut ramener. Ils se foutent sérieusement de notre gueule. Hein? Même parce que Waka-la, ça veut dire Waka. L'air Waka 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 Laka Tamina. Tu sais ce que j'aime le plus dans ce parc, Goutrou? Non. La bouffe. La bouffe. Donc c'est pas ce parc. C'est faux. Non, c'est Mimi pour l'instant, c'est Kiki comme parc. Tu manges de la merde, mais c'est Kiki. Et j'ai un cadeau pour toi. De connards. Wakalaka, et c'était. Il fait beau. Il fait beau. Ouais, il fait beau. Là, il fait beau. Oh, attention, la drop de ouf, les amis. Ah ouais. Erreur fatale, j'ai oublié mon béret. On sort de Wakala et alors Jérôme il est bien kiffé. Ah, j'ai oublié mon béret. Dans le Wakala, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, j'ai failli perdre un béret à 8000 balles. C'est totalement faux. Attention, avant de faire un petit débrief. Alors, Wakala, c'est un petit coaster familial. Franchement, très très fun. Ça va à gauche, droite et tout. Non, tu montes sur une flèche, c'est trop rigolo. Ça m'a beaucoup plu. Ça reste un parc de merde. Alors, désolé, hein, mais on n'a pas le droit de prendre nos caméras avec nous. Donc j'ai pris la GoPro, on va faire Dawson Duel. Et la première attraction de Dawson Duel, c'est quoi, Goutrou? Les escaliers de la mort. Il y a combien de marches? 1 million. Vas-y, c'est parti, compte. Goutrou. 1, 2, 3. Je vais vous montrer ma barque. Ma barque, elle est là. On est à 25 mètres du vide. J'ai tellement l'impression qu'on est à 100 mètres. C'est vrai? Oh. Ah, c'est effrayant! Ah, ça fait peur! Oh la vache! Ah, ah, ça penche! Oh putain, oh putain! Et j'aime pas! J'aime pas du tout, Max! J'aime pas du tout! Ah, ah mais Max, je vais te fumer. Ça y est, j'ai fumé, Max. Ça y est, j'ai fumé. Ah, mais ça va trop vite. Ah, putain, ça fait trop peur, sa mère. Ah, j'aime pas. Oh, l'outil, oh, il trace. Oh, Albatar. Eh, c'est effrayant. On sort à l'instant de Dawson Duel qui est juste ici, où c'est des luges d'été, mais pas en été, et ça glisse pas, et c'est pas dans la montagne. Tu fais des petites pointes à 25 mètres dans le vide. Ouais, sa mère, je me suis chié dessus. D'ailleurs, en parlant de me chier dessus, j'ai une petite surprise pour vous, les amis. Ça, c'était pour vous. On vient regarder le merchandise. Le merchandise, il pue la merde. Il y a des boîtes à proutes, s'il te plaît. Qui a besoin des... Enfin, voilà, quoi. Bon, là, on va faire ça.
Ça a l'air de mouiller un peu, ça, non, Max? Non, pas tellement. Pas tellement. Pas besoin de poncho, hein. T'as dit quoi? T'as dit que ça mouillait pas, enculé. Wait a minute. Wait, did you just fuck a day? Tu sens l'eau, elle est dégueulasse. Ah, l'eau, elle pue, ouais. Ouais, je sens que l'eau, elle pue la merde. Comme le parc. Non, franchement, dans le top des parcs de merde, on n'est pas loin. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Bah oui, c'est des trucs assez atypiques. J'ai envie de faire une Goutrou cam. Oh non, c'est... Oh si. Oh non. Oh si, une Goutrou cam. Je vais pas arriver à garder le sourire jusqu'au bout, champ. Oh, je vais faire une Goutrou cam. Eh, on est à 260 mètres de hauteur. Restez assis. Genre, débarquez pas. Allez, c'est parti. Oh merde. Jamais fait crampus, moi. On sait même pas où c'est. C'est même pas... Allez, c'est parti pour la Goutrou cam, les amis. Ah, je vais souffrir. Waouh, waouh. Le truc, il est en train de déchirer tous les parois. Et c'est parti pour la Goutrou. Non, Goutrou, t'as pas le droit. Goutrou, il se cache. Pour monter. Waouh, waouh, waouh. Waouh, ça va. J'ai bu d'eau. Waouh. Ah. Waouh. Attends. Ça mouille pas, hein. C'est waterproof, non? Une GoPro. Ça mouille pas. Ouah, la vague. Est-ce que la commission de l'eau met un 10? Non, mais là, la commission de l'eau, elle met un 8 au moins, quoi. Bah, qu'est-ce que tu fais encore dans le bateau, quoi? On fait un tour. Again. Attends, t'en as pas assez? Non. Attends, je vais juste voir si ça fait un brûlé. Oh, Goutrou. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Oh, la pignou que ça fait, quoi. Ce banger, cette vue, et c'est parti. Ah, ça bronche plus, là. Ça mon Goutrou. Ça va. Un peu humide. En fait. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, t'as eu raison. On a l'impression qu'ils ne nous jettent pas de l'eau, mais de la boue. Là, ça pue tellement. Moi, je peux te l'assurer au goût, tu vois. C'est la photo de Wonder trempé, là. Wesh, c'est quoi ce photocall de merde? On fait avec, hein. On est mouillé. On est mouillé. Comme ça, je peux faire une photo avec Goutrou, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Ouais, évidemment, évidemment. Goutrou. Ça fait plaisir. Goutrou qui fête ses 500 abonnés. C'est vrai. Hey, une photo avec le Goutrou, quoi. Oh là 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 là! Avec les cheveux mouillés, on dirait John Travolta, Goutrou. Ce qui est vraiment étrange dans ce parc, c'est que ça pue la merde de chèvre, mais partout, quoi. Pourtant, il n'y a pas d'animaux, mais ça pue. Ça pue pas. Ça pue la, ça pue la merde de chèvre. Arrête. Non, arrête. Jérôme, ça pue pas. Benjamin. Ça pue pas, Jérôme. Benjamin. Ça pue pas. Ton parc, il est éclaté au sol. Tu sais ce qui est vraiment horrible dans ton parc? La bouffe. Ouais, ça, ça, je suis là. C'est terrible. C'est terrible. Bon, on vient de chain rider Wakala. Attends. Faut préciser un truc. Parce que, attends, tu me... Faut préciser un truc. C'est qu'on a fait single rider. Single rider de l'arnaque, on a fait. C'était génial. Alors, les gens, ils attendaient comme des ploucs. Nous, on est arrivés. Il y avait le mec qui nous fait, bah venez direct, il y avait trois places, on est rentrés tous ensemble. Alors que on est à côté. Hein. Alors qu'il y a une petite file d'attente, tu vois, on a eu trois places l'une à côté de l'autre, c'était génial. Par contre, faut le dire, on a chain rider, donc Wakala. C'est fun, mais ça y est, je m'en suis lassé. C'est pas fif. C'est sympa, mais comme tu dis, enfin, ouais. C'est à l'image du parc, quoi. C'est, le... voilà, c'est de la merde, quoi. Et par contre, ouais. Là, on a une star avec nous. Ouais. Goutrou, il se fait reconnaître par tout le monde. Goutrou, ça résonne partout dans le parc, ce nom, tu vois. C'est... Monsieur Goutrou, merci Goutrou. Je peux faire une photo avec Goutrou. Hey, on a... ces pauvres gens qui ont été forcés à s'abonner. On a fait toi une star. Ouais, c'est vrai. Ça te fait quoi? Ça c'est depuis qu'il a les 500 abonnés, ça y est, c'est... Ça il se la pète, Le mec il a 500 abonnés, il se sent plus chier dans son froc, quoi. Allez. Ah si, ça je t'assure. Eh, Bellward, laissez ces petits chats tranquilles, franchement. Regardez.
Regardez, il est dans une petite cage, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, petit père. Tu sais quoi, j'ai même pas envie de le regarder, il me fait de la peine. Non. Vas-y, filme-le un peu quand même. Si je devais juger le fun de ce parc entre 1 et 10, 2. On va rencontrer le lion là. Je sais pas comment il s'appelle. Je crois que t'as deux mots à lui dire, toi. J'ai deux mots à lui dire, à ce fils de. J'y crois plus. Les amis, on part voir la mascotte du parc. J'ai deux, trois trucs à lui dire à ce bâtard. Bonjour, Lyon. Ça va? High five. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai mis un vent. Tu veux comme ça? Allez, on recommence. Bim, bim. Wouh, yes. Par contre, il faut vraiment changer les burgers de ton parc. Ils sont dégueulasses. Dégueulasses. Non, non, justement. Non, mais c'est bien. Wakala, Wakala, c'est bien. Wakala, c'est bien. Ouais. Merci, le lion. Au revoir, le lion. Il est sympa, le lion. Très sympa, le lion. Attends, je veux ma photo avec le lion, moi. Tu veux ta photo avec le lion? Ouais, vas-y. Vas-y. Dis-lui ce que t'as pensé aussi. On peut mieux faire. Waouh! Et Max, t'as une photo avec le lion? Waouh! Merci beaucoup. Goutrou. En fait, c'est lion le lion, quoi. Vas-y. Lion le lion. Goutrou, vas-y, une petite danse avec le lion. Une petite danse avec le lion. Ne vous tendez pas si c'est du lard. Voilà, voilà. Le lion, s'il te plaît. Lion, ça te montre à quel point ils s'en battent les couilles. Voilà, ils ont appelé la mascotte qui ressemble à un lion, le lion. Maxime, un petit café dégueulasse? Alors on va se boire un petit café. Ouais, allez, c'est parti. La cantine du collège Albert Camus. Je sais pas si tu vas trouver ton bonheur là-dedans. Je suis pas sûr. Et franchement, la cantine de mon collège était moins L'angoisse. Et ça, c'est considéré comme leur plus grand resto. Votre parc, il est dégueulasse. Vous savez à quoi on passe une journée de merde dans un parc? Il est 16h45, on est assis dans une cafette et on attend que le temps y passe. Quel parc de merde. Merci à eux pour les invitations. Hein. T'es sec ou pas du Niagara? Pas tout à fait. Pas tout à fait, allez viens, on se remouille. On va graver notre cœur. River Splash, River Splash. Allez, let's go, River Splash. Bienvenue sur le retour de la Goutrou Cam. Ça va être chaud. Airtime. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que l'eau, elle pue du cul. Mais elle tu est sans qu'est-ce qui pue mauvais. La merde aussi. L'eau. Le parc. J'ai déjà la réunie. Ouais. Ouais. Viens au Nova, viens au Nova. J'ai même pas envie de la toucher, non. La mine d'or. Oh, ça pue la merde. Oh non. Oh là là. On est pas bien là, mon Goutrou. On en est pas également. Le Lucky Nuggets. Comment il s'appelle le resto déjà? C'était dégueulasse. J'ai trop tiens de chier, on dirait, Max. Non, j'ai pas envie de toucher l'eau. Le mec il fait des bûches, il a pas envie de toucher l'eau. Elle est dégueulasse. Oh, oh, regardez la fontaine. Comme c'est beau. Oh, un lift, Max. Aïe 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 aïe. On est parti sur l'inondation. Oh, pardon. Pardon Goutrou. Pardon Goutrou. Goutrou, je suis désolé. Oh, c'est dégueulasse. Oh, la vache. Bon, on est un peu mouillé. Non, mais Jérôme. Mais... Jérôme, ouais. L'eau pue la merde, non. Mais la chute est sympatoche, quoi, tu vois. Je vous la montre quand même, la petite chute. Voilà. Non, mais Jérôme, l'eau pue la merde. Non, par contre, l'eau, elle pue la merde. Autant l'eau de Plopsaland, elle pue un peu la merde. Ah non, mais là, c'est dégueulasse. L'eau de Toverland pue un peu la merde. Alors là, là, ça pue... Hey, un peu à l'image du parc, l'eau pue c'est la merde. Hey, Goutrou, ouais. Tu sais pourquoi il faut garder ses mains à l'intérieur du bateau? Non. Si tu mets ta main dans l'eau, elle fond. Ah, je... Regarde l'eau. Dégueulasse.
Et on va traverser l'île aux moustiques, s'il te plaît. Ça vaut pas Kilimanjaro, ça pareil. Hein. Oh, les capybara. Waouh. L'eau sale, waouh. J'en ai marre de ce parc. On rentre quand? Une attraction. Viens, on rentre. Une attraction encore. Ah, il y a Vashkiri. Ah, une liaison. What the fuck? On sort du coup de Jungle Mission, plus qu'à enchaîner avec la dernière. C'est bien. Hein. Le Tiger Bengla. Benga Baila. Vashkiri, et puis c'est terminé. Let's go. Exactement comme il a dit. C'est comme les gens qui ont des passes annuelles pour ce parc, tu vois, ils reniflent la merde. Bah ils aiment bien venir dans la merde et remuer la merde. Non mais il va la manger, hein. Tu me dégoûtes. Ah non, il va peut-être chier par-dessus. Marquer son territoire. On est en train de vivre un grand moment de télévision, là. Ah ouais, ça va sentir. C'est comment les céréales? C'est des Rice Krispies. Ah ouais. Salut, toi. On te regarde chier. Normal. Si toi aussi tu veux regarder des animaux chier, viens à Bullward. Bengal Rapid River. Allez, la dernière attraction. Chacun son camembert. L'apothéose d'une journée bien remplie. Mais, hein, t'es mignon dans ton camembert. Goudreau. C'est mon trône, mon nouveau trône. Goudreau. Mais en vrai, c'est original parce que du coup, ça fait vraiment, ouais, l'eau peut déborder partout. Bah, je pense que ça permet de mettre des vrais remous, des vrais rapides. Ouais. Non mais est-ce que vous vous rendez compte qu'au final cette attraction, je vous le dis tout de suite, ça va être de la merde. Comme j'ai dit tout à l'heure, on remercie le parc de nous avoir invités. Plus jamais il non, nous invite. Non mais on a bien rigolé. Non, on a au passé. Final, non. Au final, on prouve que même si le parc en lui-même n'est pas forcément terrible, on peut toujours passer des bons moments entre amis. C'est vrai. C'est heureusement vrai. Qu'il y avait Goutreau. Hein. Sans lui, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait? On se serait fait chier. On serait arrivé plus tôt. Imagine on serait venu avec Roby. Oh l'horreur quoi! L'horreur! On aurait pas traversé la moitié du parc. Hein. L'odeur de ses pieds plus l'odeur du parc, c'est mort. Tu me diras, il aurait pu nous en dire plus sur les chiottes. Hein. Non mais ça c'est honteux. Coucou! Moi ça me fait peur les bruits. Pourquoi? Parce que quand tu vois l'eau qui mousse. Ouais. C'est qu'il y a de l'urine de lion, tu vois, dedans. Et quand je dis de lion, je dis pas de lion, l'animal. Le personnage, tu vois. Oui, oui. Oui, oui, on était coincés. C'est de la mousse de pu, moi, je te le dis. C'est quoi, ça? C'est le dentifrice des zèbres. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas assez blanc pour que ce soit de la mousse de duvel d'homme. Oh, 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 ça tourne, hein. Il y a toujours cette mauvaise odeur, hein. Il y a cette odeur constante. Ça, mais regarde. On dirait que Goutreau sort sa baignoire, quoi, s'il te plaît. Il fait une bave bombe. Je sais pas pour vous, moi je trouve qu'on se fait un peu chier dans ces bouées. Ah, c'est pour Goutreau. Ah, Goutreau, Goutreau, Goutreau. Oh, oh, ça rince la mousse. Oh, 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 oh. C'est marrant, la vache qui rit. Attention. Oh là là là, ça y est, ça commence. Oh là, ça y est, ça commence là. Là, on y va. Là, on parle un petit peu, là. Ah putain! Non mais ça goûte un peu sur moi, enculé! Ah putain! Allez, c'est parti! Ça c'est pour Goutreau, pour Max, pour moi! Oh, il y a des rapides encore là! Il y a des rapides! Los rapidos! Attention! Allez hop là! Oh oui! Oh 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 oh! Putain, mais c'est ça qui fait paf! Oh ta mère! Oh! Eh, c'est rigolo que ça soit un petit camembert en fait! Ouais!
Oh putain, oh putain. Oh putain. Ah mais je veux pas que l'eau elle touche, elle est sale. Quelle heure il est Goutreau? À 18h02. On est niqué, on peut plus rien faire. Ah oh, putain, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, on va se casser d'ici. C'est pas assez long, c'est terminé. Vas-y, terminé. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Non mais, oh, regarde la mousse. Oh non. Oh, c'est sale. C'est dégueulasse. Vous attendez quoi, les gars? Je sais pas, y'a personne pour nous... descendre. Y'a personne pour nous dire de débarquer, quoi. À 18h, ils sont tous partis, hein. Aujourd'hui, c'est quoi mon métier? Je suis rangeur de bouée au parc Bellaward. Suivez-moi. Suivez-moi dans la vase dégueulasse qui pue pour ranger des bouées. Non. Non, c'est crade. Iouh! Tâche en plastique? Tu veux une pièce? À mettre dans ton van. Non, non, j'en veux pas. Regardez Max comme il est généreux, il achète une petite mascotte pour la boue. Bah oui, parce qu'elle est pas là. Oh, moi, ça me fait de la peine qu'elle soit pas là. Oh. Ouais, parce que c'est vous faites 10%. Et voilà. Voilà. On quitte le parc. Et t'as dit quoi, la dame? À bientôt? J'ai dit à bientôt, je me suis trompé. J'ai dit à dame à bientôt. Ah non, pardon, je reviendrai pas. Non, en vrai, les amis. Rappelez-vous que ce qu'il y a de plus important, c'est de rêver et pourquoi... Non, c'est pas ça. Rappelez-vous que ce qui est le plus important dans un parc, c'est de passer un bon moment avec les copains. C'est ça, et on est tous d'accord qu'on a passé un bon... La question, est trop importante. C'est pas quel parc, mais avec qui vous allez. Voilà, c'est ça. Vous pouvez venir n'importe quel parc, même si c'est un parc qui est éclaté au sol. Si vous êtes avec des copains, vous allez vous éclater. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé que le parc était éclaté au sol. J'ai trouvé que c'était une honte de bouffer de la merde à 25€. Et... des attractions aquatiques puent la merde, voilà. Et non pas elles puent la merde parce que elles sentent mauvais, elles puent la merde. Sens figuré comme sens propre. Hein. Non, c'était mignon, c'était sympa à faire, mais après, pff, voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Yes. N'oubliez pas d'aller suivre Wanderhook parce qu'il n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est vachement important. Ouais, direction les 5000 abonnés. Là. 5000, Goutreau, bientôt les 1000. Bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.